je suis Sonic, super Sonic. Cours par-ci, cours par-là, tu ne m'auras pas. J'ai la pêche et j'entraîne ceux qui sont dans mon camp et qui même me suivent, nous allons de l'avant. Je suis Sonic le sympathique, je suis Sonic le romantique. Cours par-ci, cours par-là. Mouche. Oh, ça va? Rien de cassé? De quoi j'ai l'air? De la cerise sur le gâteau de chaume. Oh, oh, j'ai surtout l'air d'une folle. On va arranger ça. Oh, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Oh, oh, cette pâte à couler sera pratique pour réparer le monte-charge. À condition que Rotor arrive à les régler. J'ai le contacteur qui n'est pas au point. Oh, 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 il n'y a pas que le contacteur. Je te tiens, Marilyn. Oh, merci, mon chéri. Oh, oh. Marilyn, attention. Oh, regarde dans quelle direction tu tires, tes lunettes. Excuse-moi, Marilyn. Et parfait. Et je te fais redescendre. Qu'est-ce que ça donne à présent? Ah, oh, c'est l'extase. Merci, Rotor, tu es un petit génie. Tu veux jouer au hockey sur sable? Je me suis entraînée. Ouais, tu tapes le palais comme un pro, petit gars. Oh là là, ça recommence. Oh, je n'ai pas le temps de jouer. Oh, ils n'ont jamais le temps de jouer. Puisque c'est comme ça, je m'amuserai tout seul. De toute façon, on peut très bien se passer des grands. Oh! Oh! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hey! C'est pas fait pour manger, ça! C'est avec une crosse! Pigé? Oh, excuse-moi, ça fait ça quand j'ai faim. Eh ouais, miam miam, manger. Oh, t'as faim toi aussi? Ah, j'ai compris. Libre. Il ne faut surtout pas faire de bruit. On va se régaler. Et pour finir, des biscuits. Pour tout le monde, excusez-moi. Sonic, j'ai un problème. Un gros ou un petit? Un énorme.
Miséricorde, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? C'est un bébé thérapode. Mais comment est-il arrivé là? Oh. Oh, il est vraiment mignon. Mais hélas, on ne peut pas le garder. Pourquoi pas, c'est mon ami? Parce que son troupeau a entrepris sa migration pour la baie des Pins et qu'il doit se joindre à lui. Où est ta maman, mon gros? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça manque de précision. Oh, mais attendez. J'ai conçu un appareil il y a quelques années quand je faisais des études sur les thérapodes. Mais je ne l'ai jamais essayé. Ce serait l'occasion. Qu'est-ce que c'est, Tony? Ce serait les copains du BBT que ça ne m'étonnerait pas. Non, bébé T était mon ami. Il n'aurait pas aimé rester avec nous, surtout sans sa maman. Au moins, il a une maman, lui. Catastrophe! Il se trompe de direction. Comment ça? Oui, il migre toujours par la grande prairie jusqu'à la baie des Pins. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Je vais le remettre sur le bon chemin. Appuyez sur la gauche. Voie de gauche, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sur la bonne route, les enfants. Nous dire ce qui les pousse à changer de trajet. Nicole, essayez de décoder les sons, s'il vous plaît. Décodage. Et tu crois qu'ils parlent, les thérapodes? Ils sont très intelligents. Les sons qu'ils émettent sont extrêmement coordonnés. Ils semblent avoir peur de quelque chose. Mais de quoi? Il ne me reste plus que cette dernière espèce à soumettre à la robotisation, la fouine. Et quand ce sera fait, j'aurai le contrôle total et absolu sur tous les êtres vivants de ma planète. Sauf sur les combattants de la liberté. Je suis conscient de cette faille, la fouine. Pas besoin de me le rappeler. Où sont les autres thérapodes? C'est-à-dire que l'un de nos corbeaux a repéré le troupeau, mais il les a perdus. Perdus? Quoi? Ah oui, monsieur. Les bêtes de somme ne savent pas se cacher, la fouine. Tard à l'inverse de nous, ils sont dénués d'intelligence. Excusez-moi de vous contredire, mais les rapports indiquent qu'ils ont... Je vais les faire travailler, pas les écouter. Mon aéronef! Sonic, il se dirige vers la grande jungle, on dirait. Stupide, elle est impénétrable. Oh, les voilà repartis. Mais qu'ont-ils deviné plus vite que nous? Je crois le savoir. Les corbeaux. Robotnik. À vos marques, partez. Docteur, les thérapodes se sont enfuis dans la grande jungle avec les combattants de la liberté. Superbe, merveilleuse nouvelle. Nous allons capturer toute la troupe. Oui, monsieur, mais la grande jungle est inexplorée à ce jour et nous avons déjà perdu un grand nombre d'appareils de reconnaissance. Fais en sorte que nous n'en perdions plus jamais. Tu connais un chemin à travers la jungle ?
feuilles qui brillent. Qu'est-ce qu'il te prend? Est-ce que les plantes cachent un truc, maman T? Wow! Pas tellement sympa, ces plantes. Tu as vu ça, Rotor? Je vais même y aller voir du plus près. Ça vous donne des frissons dans le dos. Imagine un peu ce qu'on pourrait faire à Robotnik avec des plantes qui mangent tout, même les pépins. Et c'est pour les cueillir que ça risque d'être... Hey, que les marais aussi ont bon appétit. Sonic! Faites quelque chose, les gars! Oh, miséricorde! Avec quoi pourrait-on faire un pont? Cet arbre mort, là. Allons-y. Ça va mal se terminer, bébé T. J'ai une idée. Appelle ta mère, ouais. Elle pourrait aider les autres à pousser. Tu m'as compris? Faites vite! Muchos merci, maman T. À chasse de revanche. Les caches sont prêtes, monsieur. Parfait, la fouine. Finissons-en. Bien, monsieur. Je me contenterai d'une bête pour l'instant. Choisis la plus grosse pour nous servir de corail. À vos ordres, docteur Robotnik. Mieux que nous, soit on a les oreilles bouchées. Les thérapodes ont les sens très développés. Qu'est-ce qu'elle raconte? Aucune idée. Mais il est évident qu'elle est en alerte. Ça t'ennuierait de répéter? S'il vous plaît, Nicole, traduisez. Danger? Et quel genre de danger? J'ai cru reconnaître Corbeau. Je vais jeter un coup d'œil. Oh! Maman T a mis dans le mille. Les corbeaux sont dans la plaine. Oh. Ah, tu ne fais pas dans le détail, Maman T. En avant, les gars, à cheval! On est tous prêts à mettre le turbo! Trop vite, mais je te vois hérisson. Mais Turbo, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à l'esmer? Ils ont sûrement des capteurs thermiques. Oh,
Maman, t'es... Eh oui, regarde. Je vais la sauver à la vitesse grand V. Insistons, les hérissons. Tiens bon, maman, t'es... T'en fais pas, bébé. Sonic est super gentilissime. Il va te ramener ta maman. Qu'est-ce que tu attends, la fouine? Attends-moi, ce hérisson. Bien, monsieur. J'arrive, hérichou. Ah, ça va, ça va? Ouais, tu peux ouvrir ça délicatement? Ah, tu me connais. Géant! Et ça continue! Je ne sais pas ce que tu fais, mais fais-le vite. Tout le monde descend. Oh, miséricorde! Mon Dieu, je n'ai pas de secondes. Mais j'arrive. Ma patte à coulis est coincée. Hey, vas-y, c'est bon. Dois-je descendre une autre cage, monsieur? Négatif! Faisons-les transpirer un peu. Il leur est impossible de franchir ce rideau magnétique. Même le hérisson est pris. Oh oui! J'en ai des fourmis dans les soudures. Hey, on est trop exposé. Oh, si je tenais sur Robotnik! Et d'accord, mais comment traverser cette espèce d'écran? À cœur vaillant et à hérisson, rien d'impossible. Et seul petit problème, et si je fais un trou dedans? Combien de temps ça sera bon? Difficile à dire, pas plus de 10 secondes en tout cas. En ce cas, tenez-vous prêt à mettre le turbo. Ces insensés s'imaginent-ils un seul instant pouvoir percer mon rideau magnétique? Le spectacle risque d'être intéressant. Ça va t'écoiffer! Active, Sally! Y'a qu'à suivre tout droit! Non, Sonic! Nous ne savons rien de la jungle. Maman T la connaît. Oh! À vous, Nicole. Verrouillez. Tout droit. On a gagné! Sonic, par exemple, plante au mélifère des vents ou corps métalliques. Ouais! Bien joué, maman T. Ils vont tous se faire dévorer dans leur boîte de conserve. Traverser le rivière. Hé! Suivez l'ouvre-boîte! J'ai failli attendre. Venez, on va jouer à cache-cache. Erreur, hérisson. Cette fois, tu ne sauras pas où te cacher. On voit que tu me connais mal. Continuez comme ça, les corbeaux. Encore un peu. Un tout petit peu. Wow. Les emmélifages. Il est à découvert. En avant tout. Monsieur, mieux vaut ne pas s'aventurer dans cette végétation. Je ne vais pas me laisser arrêter par les plantes, la fouine. Qui m'aime me suivre? La fouine, redresse. Où sont-ils? Nulle part. Ils nous ont échappé. Oh oh. Il m'est venu une idée assez géniale. Les métaux de Robotnik en prendraient un coup si on ramenait des embellissages à unisson. C'est déjà fait. Mais c'est impossible. Si, c'est possible. Arrête, Sally. Ces plantes sont intransportables. Mais si, voyons. Comment?
Les graines sont inoffensives, je n'aurai plus qu'à les planter. Géantissime, non? Méga géantissime. Méga? Enfin, peut-être pas hyper méga, mais méga. C'est tout? Ah oui, mais moi je suis hyper. Toi, t'es hymer. Ah, je vois. Heureusement que tu étais là pour penser à prendre les graines, hein? Hé, hey, Sally, quand on est géant, on est géant. Et je suis géant. Nous voilà chez nous. C'est la paix des pins. Elle a toujours su vers où mener la troupe. Géantissime, Gérobotnik ne vous retrouvera jamais là, maman T. C'est mon meilleur ami, bébé T. Attends, Tails, ça va t'aider à lui dire adieu. Je ne veux pas lui dire adieu. S'il te plaît, rentre avec nous, bébé T. On mangera des biscuits, on jouera au hockey. Tu dois rester avec maman. Tu viens avec nous. Je ne peux pas, bébé T. Les combattants de la liberté ont besoin de moi. Au revoir, bébé T. T'es géant. Oui, méga géant ici. Oh, misère. Tout ça pour qu'ils en arrivent à pérorer comme toi. Géant, t'as besoin 5, bébé T.